Bonjour à tous et bienvenue à cette émission sur les saveurs de Portneuf. Aujourd'hui, au menu, un restaurant qui met en valeur les produits de Portneuf. Mais on débute l'émission en vous présentant M. Bruno Piché, fier propriétaire de la boulangerie Le Soleil Levain sur Deschambault. Bonjour, mon nom est Bruno Piché, je suis boulanger artisan. Je vous invite à ma boulangerie Le Soleil Levain sur Deschambault. Je vais vous faire visiter ma boulangerie. Alors, c'était une curiosité plus qu'autre chose. Et, j'ai un ami qui faisait du pain à Montréal, au Fromentier, Benoît Fradette. C'était un ami personnel et puis il avait ouvert une deuxième boulangerie dans les cantons de l'Est. Alors, je l'ai appelé. Puis par curiosité, j'ai dit « Benoît, as-tu besoin de quelqu'un pour t'aider à boulanger? » Il dit « Justement, tu as juste à te présenter puis on va commencer à boulanger ensemble. » Alors, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai travaillé un an et demi avec lui, les fins de semaine, pendant les vacances de ses boulangers. Et puis, j'ai appris énormément avec ce gars-là parce que c'est un bon théoricien. Donc, on pratiquait, puis on appliquait la théorie immédiatement, ce qui me permettait vraiment de bien comprendre les éléments théoriques qui me passaient. Alors, ça a commencé comme ça. Par la suite, j'ai fait autre chose. Je n'ai pas boulangé pendant 2 ou 3 ans. Et puis, à un moment donné, ça m'est revenu. Je me suis dit, j'aimerais ça peut-être partir une entreprise en boulangerie, mais je n'en connais pas encore assez. Alors, j'ai fréquenté 6 autres boulangeries à ce moment-là. C'était au début des années 2000. Puis, j'ai travaillé avec des gars qui avaient déjà travaillé avec Benoît aussi, donc pour la continuité. Et puis, c'est comme ça que j'ai appris à les autres éléments de la boulangerie que je n'avais pas encore appris avec Benoît pour me permettre là, d'être complètement autonome et de commencer seul. Alors, ça m'a pris encore 1 an et demi, 2 ans là, avant de parfaire mes connaissances. Et puis, par la suite, j'ai ouvert ma première boulangerie. C'était un été, j'avais ouvert ça sur un site historique, dans un four à pain extérieur au bois. Donc, j'ai travaillé tout un été comme ça, à mon compte. Et puis, par la suite, j'ai ouvert une boulangerie à Saint-Antonin, près de Rivière-du-Loup. Alors, j'ai ouvert à Saint-Antonin, au sud de Rivière-du-Loup. Je demeurais à Notre-Dame-du-Portage à ce moment-là. Puis, ça a été la première vraie boulangerie avec une façade sur la rue. Ça a duré 2 ans à Saint-Antonin. Et par la suite, pour toutes sortes de raisons personnelles, j'ai décidé de déménager à Saint-Élie-de-Caxton, dans le village de Fred Pellerin. J'avais entendu Fred à la radio à quelques reprises pendant que je travaillais de nuit. Et ce village-là m'intéressait. Alors, je suis allé passer 2-3 jours dans le village avec Fred, avec le maire, avec un peu tout le monde pour voir s'il y avait un intérêt pour une boulangerie. C'était le cas. Ça fait que ça a pris 6 mois, puis j'ai déménagé dans le village où est-ce que je suis resté un autre 2 ans approximativement. Et puis par la suite, j'ai vendu ma boulangerie qui est ouverte à Saint-Élie-de-Caxton, qui est toujours ouverte d'ailleurs, qui est toujours là. Ils ont déménagé, là, mais mon ex-associé à qui j'avais vendu est toujours à Saint-Élie-de-Caxton. Et puis par la suite, ben là, j'ai bourlingué encore un peu dans d'autres boulangeries. J'ai été en Europe, j'ai ouvert une boulangerie en Californie pour quelqu'un d'autre. En Mauricie aussi, un autre boulanger en Mauricie pour quelqu'un d'autre. Et j'ai finalement décidé de venir m'installer ici parce que c'est mes racines ici. Alors je me cherchais une place pour vraiment bien m'enraciner après plusieurs années d'absence de mon coin. Je suis un gars de Donnacona, puis j'ai décidé de venir me réenraciner à un endroit où est-ce que je connaissais beaucoup de monde, puis je me sentais à l'aise pour peut-être finir ma carrière ici. Bon, quand j'ai décidé de venir m'installer dans le comté, je ne savais pas exactement où m'installer. Pas à Donnacona parce qu'il y avait déjà une boulangerie là. Et puis j'ai pensé à Cap-Santé.
mais il n'y avait pas vraiment d'endroit où je pouvais m'installer à Cap-Santé. Puis là, bon, on m'a parlé de Deschambault, puis on m'a parlé un peu de la réputation de Deschambault qui s'était développée au fil du temps comme étant un village, un magnifique village, très fréquenté avec des beaux commerces de proximité. Ça fait que ça m'a attiré. Alors, je suis venu ici, puis j'ai cherché un endroit qui pouvait être propice à une boulangerie. Et il s'adonnait que cet endroit-ci, la maison ici, était disponible. Ça fait que j'ai visité avec la propriétaire. Et quand j'ai vu le potentiel, j'ai dit oui, c'est vraiment ici que je veux m'installer. Puis j'ai rencontré aussi les gens de Deschambault, les autres commerçants. Et puis tout ça, j'ai été charmé. Vraiment, là, Deschambault, c'est un endroit où tout le monde se tient, tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur aussi, qui se sont adaptés à Deschambault et que les gens de Deschambault, originalement, ont accepté aussi. Donc, il y a eu un beau mélange. Je voyais un beau mélange de gens de Deschambault même, originaires de Deschambault, et de gens qui venaient de l'extérieur. Puis, ça m'a beaucoup plu. Et comme moi, je venais de l'extérieur, je me suis senti accepté immédiatement, autant par les gens de la place que par les gens qui venaient aussi de l'extérieur de Deschambault. Bien, premièrement, ça prend des ingrédients. Alors, de la farine surtout, bien sûr. Alors, tous mes produits de farine sont ici. J'ai des produits biologiques, des produits plus standards ici. Et ça prend de la levure, bien sûr, du sel et de l'eau. Beaucoup d'eau et de la bonne eau. Puis on est chanceux à Deschambault, on a de la bonne eau. Donc, ça permet de faire un bon pain, comme ça. Alors, tous les ingrédients sont là. Vous savez, en boulangerie, c'est simple. C'est probablement la recette la plus simple au monde. 4 ingrédients. Je vous les ai nommés. La farine, la levure, du sel et de l'eau. Et c'est tout. Avec ça, on peut faire des miracles comme on peut faire des catastrophes. Alors, c'est ça qui est la magie de la boulangerie. C'est que c'est la recette la plus simple au monde. Mais c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire parce que c'est vivant. Il faut travailler avec du vivant. Et moi, j'ai toujours cru que le vivant avec lequel je travaillais correspondait à mon vivant à moi, donc à qui j'étais. Et il faut que je transmette qui je suis à cette pâte-là, à ce pain-là, pour en faire un bon pain parce que je pense que je tiens à cœur de faire un bon pain, je tiens à cœur de bien nourrir ma population. La première étape, qui est la plus cruciale d'ailleurs, et c'est l'étape qu'on enseigne en dernier à un apprenti. Il faut que l'apprenti maîtrise à peu près tout ce qu'il y a dans la boulangerie avant de toucher à cette étape-ci. Parce que si on manque notre coup ici, le reste de la journée, ça ne passe pas comme il faut, ça ne donnera pas un bon pain. De toute façon, ça ne donnera pas un bon résultat. Il faut vraiment bien partir la journée avec le pétrin. Donc, on appelle ça un pétrin. C'est là-dedans qu'on mélange tous nos ingrédients. Et mélanger les ingrédients, c'est pas quelque chose de facile non plus. Il faut bien mélanger, il faut bien doser nos ingrédients en fonction de du temps qu'on a pour travailler, de la quantité qu'on a à travailler, des variétés aussi qu'on a à travailler. Donc, on va jouer avec la quantité de levure, la chaleur de l'eau, la chaleur ambiante. Il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on doit préparer les pâtes les unes après les autres dans une séquence donnée.
Et puis les séquences ne sont pas les mêmes à chaque journée, dépendamment de la température, puis dépendamment des quantités qu'on a à faire. On peut brasser jusqu'à 55 kg de pâte dans ce genre de pétrin-là. C'est un pétrin moyen. On peut avoir des pétrins de... On peut avoir des pétrins de 150 kg, 200 kg, ou des pétrins commerciaux là, de plusieurs milliers de kilos, là, mais ça, c'est autre chose. Alors, pour un artisan, travailler avec un pétrin comme celui-ci, c'est parfait. On peut mélanger assez de pâte pour pouvoir travailler pour faire la production qu'on a besoin de faire dans une boulangerie comme la mienne. C'est-à-dire à peu près 800 pains, 800 à 900 pains par jour de production. Oui, 800 à 900 pains de toutes les variétés, de toutes les grosseurs, de toutes les formes. On fait à peu près ça. Quand on fait une grosse production, là, on est trois boulangers à la table et on fait environ 800 pains par jour de production. Donc ça, c'est le pétrin. Ensuite, on décuve. C'est ce qu'on on appelle ça décuver. Donc on sort la pâte du pétrin qu'on met dans des chaudières. J'ai des chaudières ici... qu'on huile, on met la pâte là-dedans. On laisse la pâte fermenter pendant 2 à 3 heures, le temps qu'elle double de volume. Puis là, on travaille la pâte sur la table. On appelle ça attaquer la pâte. Donc, on coupe la pâte. Je vais vous montrer tantôt comment on fait ça. On coupe la pâte, on la boule, on lui donne une première forme pour lui donner de la force, pour pouvoir la travailler plus tard au façonnage. De telle sorte que après le façonnage, la pâte se tient bien, puis elle se rend jusqu'au four au moment où on doit la couper, ou ce qu'on appelle scarifier la pâte. Donc, on scarifie la pâte et on l'enfourne. Donc, toutes ces étapes-là sont nécessaires pour vraiment que le pain se tienne bien au four sur la sole. Ça, c'est la pâte que j'ai pétrie ce matin. Elle est déjà préparée, elle a déjà été pétrie, elle a déjà fermenté. Elle est déjà prête. Ça fait environ 3 heures. 3 heures? Oui. Wow! Et là, le terme technique, c'est attaquer la pâte. Donc, on attaque la pâte. OK, donc, on fleure la table. Là, j'ai mis ma balance. Ici, on appelle ça une balance à nivelle. C'est une balance qui permet de travailler plus rapidement, parce qu'aussitôt qu'on voit bouger les plateaux, on sait tout de suite quel poids on a sur la balance, puis on peut réagir immédiatement, puis jeter la pâte de côté, puis en prendre une autre. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc là, je coupe des pâtes pour des baguettes. On finit par avoir l'œil pour voir quel poids est requis. Alors là, on coupe la pâte. Ensuite, on boule la pâte. C'est-à-dire qu'on lui donne une première forme ronde. On fait ça avec tous les pains. Même si les pains vont prendre d'autres formes plus tard, la première forme qu'on lui donne, c'est une forme ronde. On lui donne un peu de force de cette façon-là, ce qui permet plus tard au façonnage d'avoir un pain qui va mieux se tenir, qui va avoir plus de tenue, surtout lorsqu'on va l'enfourner après le façonnage. Après le façonnage, la pâte doit encore se détendre, elle doit encore fermenter pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Et pendant ce temps-là, il ne faut pas que la pâte se raffaisse. Donc, pour ne pas se raffaisser, elle doit avoir de la force qu'on appelle. Et cette force-là, on commence à lui donner en la boulant ici, comme ça. Puis, un autre élément de la boulangerie artisanale, c'est la rapidité. Il faut être capable de travailler quand même assez vite parce que la pâte, elle, n'attend pas. Quand c'est parti, quand elle commence à pousser, on n'a plus le choix.
Il faut aller avec la pente et quelquefois, ça va vite. Donc, il faut travailler rapidement. C'est un autre des éléments de la boulangerie artisanale qui est extrêmement important à développer, la rapidité. Alors, il faut travailler des deux mains, il faut devenir ambidextre, ce que j'étais pas quand j'ai commencé à travailler. Mais avec le temps, on apprend. C'est sûr qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Il y a des boulangers qui sont bien meilleurs que moi sur cette partie-là, cet aspect-là du travail. Mais disons que je me débrouille quand même assez bien. Comme ça. Alors, on va allumer nos fours pour tantôt. C'est des fours électriques? Oui, des fours électriques. Ça prend combien de temps avant qu'il soit prêt à l'action? Oh, le four, environ 20 minutes. 20 minutes. Ouais. Celui-ci, il y en a qui sont plus lents un peu. C'est ceux-là sont plus lents un peu. C'est des fours semblables, mais il n'y a pas un seul four qui est pareil, exactement pareil. C'est comme les cuisinières domestiques. Il n'y a pas un four qui est semblable. Il faut s'habituer à chacun son four. Ah. Là, on vient de bouler nos pâtes. Bouler, c'est ça. Ouais, et on les laisse se détendre. Donc, là, ils sont vraiment serrés. Si on essayait de faire quelque chose avec, là, ce serait trop serré, il n'y a rien à faire. Ils sont stressés. Ils sont stressés, c'est ça, exactement. La pâte est stressée. Je viens de la stresser en la boulant. Là. Alors là, elle va se détendre. On lui laisse à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Pendant ce temps-là, elle va continuer à fermenter, donc elle va continuer à prendre du volume. Et puis, par la suite, tantôt, dans à peu près 45 minutes, on va reprendre la même pâte et on va la façonner. Alors, on va façonner ça sur la table ici, vous allez voir comment ça se passe. Et puis, après le façonnage, il y a une autre détente, donc une autre fermentation qui, là, va nous permettre d'arriver au four. Donc, se rendre jusqu'à l'étape finale où est-ce qu'on va scarifier notre pâte et l'enfourner. Elle sera prête à ce moment-là. Alors, je vous présente Isabelle Payette. C'est ma collaboratrice au niveau des viennoiseries. C'est elle qui produit toutes les viennoiseries de la boulangerie. Alors, elle s'active à faire les mêmes étapes que j'ai faites tantôt, mais en plus grande quantité. On va faire aujourd'hui 27 pâtons comme ça pour la semaine de viennoiserie de la boulangerie. Alors, je vais vous expliquer la distinction entre viennoiserie et pâtisserie. Alors, la viennoiserie, ce sont des produits qui vont fermenter. Donc, on y ajoute de la levure. Vous avez des croissants chocolatines qui ont de la levure à l'intérieur. Donc, le travail de viennoiserie, le travail de boulangerie, ce sont des travaux de boulanger. Alors qu'un pâtissier... c'est autre chose. Le pâtissier, c'est les gâteaux, c'est des choses qui ne vont pas nécessairement fermenter, qui ne vont pas prendre de volume, mais qui vont être jolies, plus sucrées, il y a plus de design artistique dans la pâtisserie. Alors, c'est un travail complètement différent. On ne dit pas d'un boulanger qu'il est pâtissier et on ne dit pas d'un pâtissier qu'il est boulanger. Et juste dans le pain, on a 26 sortes de pains différents ici. Moi, je veux me spécialiser dans le pain. C'est-à-dire que je suis boulanger, puis je veux, ici, dans cette boulangerie-ci, m'occuper juste du pain. C'est un peu pour ça que
Isabelle s'occupe des viennoiseries, d'autres s'occupent du peu de pâtisserie qu'on fait, mais moi, c'est dans le pain. Et, bon, on a des pains au levain, on a des pains de farine entière, de farine intégrale, on a des pains de farine blanche. Mais moi, il y a un pain en particulier que j'aime beaucoup faire et que j'aime beaucoup vendre aussi, c'est mon pain à l'épeautre ou mon pain au camu, des pains avec des farines ancestrales. Je veux essayer de trouver d'autres farines ancestrales aussi, d'autres blés ancestraux, parce que je trouve que ces blés-là sont plus faciles à digérer. C'est des blés qui sont plus en harmonie avec le système digestif humain. Les nouveaux blés qu'on a développés ces derniers temps sont des blés qui industriels, commerciaux, qui ont été pensés en fonction des machines. Les gluten sont très, très, très élastiques. C'est quasiment des blés artificiels qu'on a fabriqués pour qu'ils puissent passer dans les machines. Alors, je pense qu'on ne pense pas à ce moment-là au système digestif humain. Et puis, moi, je veux de plus en plus développer des pains avec des farines ancestrales. L'épeautre et le camu en sont. C'est des farines qu'on a découvertes en même temps qu'on a découvert les sarcophages des pharaons. C'est des grains qui traînaient dans le fond des sarcophages. On les a plantés, ça a poussé, puis depuis ce temps-là qu'on en fait des hybrides. Et c'est ce qui nous permet de manger des farines ancestrales. On est rendu à l'étape du façonnage. Oui. Alors, on va façonner nos pâtes qu'on a coupées tantôt puis qu'on a boulées. Alors après le boulage, les pâtes se sont détendues, se sont affaissées un petit peu. Ils ont pris plus de volume qu'ils en avaient tantôt. Qu'on trempe dans la farine de riz. On la dépose sur la couche. On va les laisser se détendre encore une dernière fois. Et puis, après cette étape-ci, d'ici environ une demi-heure, trois quarts d'heure, ils auront pris un certain volume. Ça sera le temps de les enfourner. Vous voyez, les baguettes sont à peine colorées, donc pré-cuites. Hey! Si on vérifie la température, voyez-vous, on dépasse 84 degrés facilement. Donc, la baguette est cuite à l'intérieur. Il manque un peu de coloration qu'on va obtenir lors de la deuxième cuisson avant de mettre les pains sur les étals pour les vendre. Les produits Culture de Saveur Portneuf sont disponibles dans plusieurs points de vente, mais aussi dans les restaurants. Le Bistrot La Ferme est d'ailleurs un restaurant qui utilise plusieurs produits portneuvois. On vous présente une entrevue réalisée avec le propriétaire de ce sympathique bistrot situé en bordure du Saint-Laurent à Deschambault-Grondines. C'est vraiment un cachet qu'on voulait donner. Mon conjoint, c'est un,
un maniaque d'antiquité d'agricole, d'antiquité agricole, c'est ça. Et il collectionne quand même une bonne collection. Et on a mis ça dans le restaurant pour vraiment que ça nous ressemble, dont le bistrot, la ferme. Fait affaire avec dont un bon fournisseur, la fromagerie des Grondines, qu'on l'inclut dans 2-3 plats dans le menu. On a les produits d'érable de la sucrière, le pain du boulanger, le soleil levain, le café de Mélanie Gagné, la petite brûlerie. Et le samedi, ça me plaît beaucoup d'aller au marché public, aller voir les légumes et fruits que je peux inclure dans mes menus de fin de semaine, mes tables d'hôtes. La ferme, ça fait 12 ans qu'on élève des bœufs Highland. Et le restaurant, c'est ma troisième été. On est ouvert du mois de mai jusqu'à l'Aix-en-Grâce au mois d'octobre. Ça fait notre troisième été. Cet été, ça a vraiment, vraiment bien fonctionné. Le monde est là, ils nous attendent. On ouvre au printemps le monde. J'ai mes clients qui nous attendent pour l'ouverture. Puis ils nous suivent tout l'été jusqu'au mois d'octobre. Et j'ai également beaucoup de touristes qui passent en passant, et c'est ça. Bien, moi, j'ai eu l'opportunité d'acheter ce petit bistrot-là. Et c'était un de mes rêves. Et là, on a eu l'opportunité d'inclure aussi notre bœuf dans le menu. Ça fait que dans notre menu, nous avons beaucoup de plats qui est à base de bœuf Highland. Dont une pizza, le nachos, le burger, les grillades, toutes les tables d'hôtes aussi les fins de semaine. Ça fait que c'est ça. On a eu une opportunité pour vendre notre bœuf directement de notre ferme à votre assiette, comme on dit. On a la soupe à l'oignon avec le fromage des Grondines. On a le chèvre chaud que j'inclus, une belle gelée d'érable de Manon, la sucrière. Le pain aussi, tout le pain qui est avec nos soupes, nos pâtes, ça vient de la boulangerie aussi. Et c'est ça, dans notre menu, je peux avoir autant la pizza, les pâtes, le poisson, mais on est vraiment basé sur le bœuf. Ouais, les recettes ça. De bœuf. Surtout en table d'hôte, les fins de semaine, je m'amuse beaucoup aussi à faire les mijotés, les plats qui prennent du temps à cuire, dont les braisés, les mijotés, les ossobuco. Et j'essaie d'inclure aussi dans mes recettes les produits du terroir. Au printemps, je m'affiche tout le temps dans le guide touristique du Chemin du Roi et de la région de Portneuf. Et là, c'est là que je vois défiler le monde qui vient parce qu'ils sont comme curieux, je pense, de voir aussi le restaurant. J'ai des bonnes critiques sur la décoration et sur le menu aussi à base de bœuf. Et c'est ça, les touristes sont attirés par ce cachet de restaurant bien unique. Et surtout, la vue que j'ai sur le fleuve aussi. C'est ça, j'ai vraiment une très belle vue sur le fleuve. Tout le monde sont vraiment, même aujourd'hui, à fin septembre, c'est ça, le 30 septembre, et j'ai encore plein de monde sur la terrasse qui sont en train de dîner. On a des bons produits, on n'a rien envié à personne d'autre de la province, parce que dans Portneuf, je crois que le monde, c'est des passionnés. On a juste allé au marché le samedi matin, au marché public, et on voit que le monde est passionné de leurs produits, puis ils veulent que leurs produits soient vendus, la qualité aussi est là. Voilà ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Soyez avec nous la semaine prochaine. On vous présentera les fiers propriétaires de la ferme apicole Mosaïque. Merci et à bientôt.